Tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Easted Production. Aujourd'hui, du lourd, du très lourd. Il y a tout juste un an, on avait la Komodo et là, vous n'allez pas en croire vos yeux. Même moi, j'ai du mal à y croire. On a eu la chance, l'honneur de recevoir une V-Raptor, une Stormtrooper V-Raptor. Un truc de malade. C'est avec Matt Witness, donc Mathias, mon pote avec qui on la prend. La toute dernière née de chez Red qui annonce des spécifications de folie. 8K à 120 fps, plus de 17 diaphs de latitude, bref, une vraie caméra cinéma. Et donc on va faire un unboxing, c'est parti. Donc la V-Raptor, c'est une grosse boîte, voilà. Donc si on peut la comparer avec celle de la Komodo, hop là. Donc voilà, c'est quand même un peu plus gros, comparaison. Donc voilà, donc la boîte, on l'ouvre tout de suite, livrée. Alors on n'a toujours pas reçu l'écran, qui est censé être le pack, le starter pack, avec un écran, deux batteries Red, voilà, qui sont là, le lecteur et une carte CF Express type B de chez Angel Bird, brandée Red de 660 Go. Donc on ouvre tout ça, c'est parti. Alors, la V-Raptor, déjà, le premier. Hop là, donc hop, et on va tout de suite aller à l'essentiel. Voilà. Et là voilà, donc là on a un flocage Red. Je me souviens qu'on en avait une aussi avec la Komodo. La voici, on la sort. Donc un beau bébé. Un beau cube, et tout de suite, hein, donc le fameux capteur Vista Vision qui est énorme. C'est trop beau. Donc c'est une monture RF, donc on pourra mettre une monture RF vers PL, et de plus en plus d'optiques sortent en RF aussi, et Red communique sur le fait qu'elle a un autofocus avec les optiques RF, qui est assez réactif, donc on a pu la tester. Par rapport à la Komodo, quand même rien à voir. Quand même une grosse caméra, axée plutôt cinéma haut de gamme, avec un capteur énorme, 8192 par 4320, gros capteur de 40,96 mm par 21,6. Donc sachez que le plein format photo, c'est 24-36, on est à 41 par 21, donc 24-36, donc on est un peu moins haut, mais plus large. Donc c'est ça le fameux VistaVision. On est plus proche en fait des formats de 2.40 ou 2.1. Alors que la Komodo, bah, 6K Global Shutter, donc 6144 par 3240. On a le REC de chez Red qui est devant. Plein de pas de vis Kodak 1/4. Donc franchement, bon, on va voir à quoi ça sert, mais pouvoir mettre des accessoires devant. Sur le côté, on a donc un écran de visualisation pour rentrer dans le menu. On va pouvoir naviguer dans le menu et accéder directement à des réglages. Je pense que certains vont dire qu'ils ont copié sur Arri avec l'Alexa. L'Alexa, historiquement, avait aussi la même chose, hein, des menus raccourcis pour les assistants. Et donc là on va pouvoir naviguer sur le menu, le bouton REC, le switch on off qui est tellement satisfaisant, ce switch, je sais pas, il y a un petit ressort, un petit truc, c'est vraiment sympa. Après derrière, donc elle est nativement en VLOC, donc on a un port VLOC, et derrière pas mal de sorties de breakout. Donc on a SDI 1 SDI 2, donc une sortie et une deuxième sortie secondaire dans laquelle on va pouvoir sortir et mettre des luttes différentes. C'est plutôt bien pensé. Une casque audio. On a le port DC in qui est un 6 broches, 4 grosses et 2 petites. On a le port extérieur qui est le même que sur la Komodo et un port audio. Je pense que c'est pour entrer un signal audio en XLR. On a un câble USB-C aussi, donc je pense qu'on peut avoir aussi des transferts de données ou d'images. Et une petite antenne, elle est toute mignonne. Je vais vous la montrer. Hop. Toute mignonne la petite antenne, elle envoie son propre wifi comme sur la Komodo en 1080p, donc c'est plutôt pas mal pour pouvoir avoir une image rapidement. Et donc ce port VLOC intégré, voilà. Sur le côté là on a un gros beau Red qui est magnifique, un beau relief Red, on le sent bien avec les doigts. La trappe des médias, c'est marqué warning unmount media before remove. La trappe donc c'est comme ça, hop, voilà. Et donc là elle est bien étanche, vraiment en caoutchouc, c'est vraiment très bien fait. L'aération,
l'aération qui conduit directement à, sur le dessus, où là on a un énorme ventilateur avec marqué exhaust de not obstruct. Donc là il va falloir faire attention de ne pas mettre d'objets et d'accessoires dessus. On a une prise aussi pour pouvoir faire le rec sur des poignées intelligentes, et aussi peut-être une sortie vidéo sur la sortie vidéo de l'écran qui va avec. Dessous, on a deux packs Congrès et un pack Kodak. Donc c'est là bien la 241 ST comme Stormtrooper. Et ben on va l'allumer tout de suite. Alors dans la boîte, donc il y a la caméra. Donc là on a le cordon alimentation et on doit avoir l'alimentation secteur qui est énorme. La Komodo c'était 45 watts. On est sur du 15 volts, 10 ampères, 150 watts. Donc c'est quand même, elle consomme deux fois plus, voire trois fois plus que la Komodo. C'est un truc de malade, mais on est à peu près à 40 minutes sur une batterie de 50 Wh. Et c'est tout. Voilà, donc on passe à la suite, les accessoires. Et donc on a les batteries, donc des petites batteries Velox RED. Elles sont plutôt pas mal, voilà. 98 Wh. On a une d'étape, voilà, et un USB. Et RED se met à la batterie nano, c'est bien. Et on peut la tester, voilà, elle est pleine. Et la deuxième, que ça donne, hop, et voilà, donc la batterie Velox dessus, et donc là on commence à avoir un bon petit poids, hop, j'ouvre vite fait ça, donc ça c'est le lecteur que j'ouvre, j'aime bien ouvrir les boîtes mais sans les ouvrir vraiment, comme ça elles ont encore leur seau, hop, donc là on a trois boîtes, le câble, le lecteur, voilà, super. Et la carte mémoire, important, hein, si on veut faire du 8K, il faut avoir la bonne carte mémoire. Hop. Et franchement, le packaging, il est vraiment magnifique. Et là. Waouh. Donc, RAID 660Go. 660Go, ce qui représente en 8K, alors on a tourné en 8K 75fps, ça fait 12 minutes. 8K. Super. Donc, on la met, hop. Et voilà. La RAID V-Raptor, on va l'équiper. Déjà, voir ce que ça donne. Donc, il faut un écran externe. Il va falloir l'équiper avec des optiques. Donc, j'ai les Xeen en plein format, normalement, c'est bon. Et les Ultra Prime, voir jusqu'où il couvre le capteur. C'est parti. Nous revoilà donc avec la Komodo et la V-Raptor. Donc, la V-Raptor, on voit bien que c'est la grande sœur, ou plutôt la Komodo, c'est bien la petite sœur de la Raptor. Là, on voit bien, alors c'est très drôle au niveau du design, on dirait que bah, je pense que les designers l'ont fait exprès. Le ventilateur est noir, aussi grand que l'écran de la Komodo, donc de loin, ça se ressemble. Le devant du design, pareil, on retrouve ce biseau en bas et en haut de la Komodo qui assure la V-Raptor. Les mêmes montures, et on va pouvoir ouvrir les deux et comparer les capteurs. Et là, on va vraiment se rendre compte vraiment de la différence, c'est assez ouf. Alors voilà. Donc voilà, donc les deux caméras. Là, on a une bague en plus qui vient serrer en fait pour pouvoir avoir plus de stabilité qu'on n'a pas sur la Komodo. Au niveau du poids, on est à 1,8 kg contre 900 grammes, donc elle est deux fois plus lourde sans accessoires. Et donc notre but, c'est de la mettre sur le Ronin S2. Et pas que, hein, j'ai fait la config cinéma avec le Movie Pro. Donc là, en fait, on a donc la V-Raptor et la Komodo. Et en fait, sur la Komodo, moi, je rajoute le VAXIS 600 qui permet en fait d'envoyer une image à distance et qui transforme aussi le SDI en HDMI avec des antennes pour que ça passe avec le Ronin S2 et ma plaque fabrication maison avec notre logo gravé en PMMA qui permet d'alimenter la Komodo et d'avoir l'alimentation et le minimum d'espace derrière. Voilà, donc c'est vraiment droit, ça passe nickel. Donc ça c'est cool, et du coup on se rend compte que on est à peu près à 1,1 kg, et en fait au niveau de la taille et de l'encombrement c'est assez pareil, hein. Donc ça passe sur le Ronin S2. Il y a juste en fait les designers ils ont fait un truc, c'est qu'en fait la batterie est là et en fait les câbles et surtout l'antenne dépasse, et alors là au niveau des butées sur les stabilisateurs ça va pas être évident, on va devoir rajouter du poids exprès à cause de cette petite antenne. C'est dommage que ça soit en plus du mauvais côté du moteur, parce qu'en fait le Ronin S2 il part comme ça et là il y a rien, donc c'est vrai que ça avait été inversement ça aurait été mieux. C'est dommage, mais bon, on va faire avec, c'est comme ça. Alors on va l'allumer, donc on va mettre une petite batterie et on va lui mettre RF RPL avec filtre intégré. Pratique. Voilà.
Voilà, et donc là, on est en monture PL. Ok, et donc on va mettre le 24. En full frame, comme ils disent. Donc là, on a un beau bébé, c'est plutôt cool. Et du coup, on va lui mettre un écran. Je vais piquer cette barre que je vais mettre ici. Et voilà. Et donc, on va allumer la caméra. Voilà, donc le fameux switch, trop bien. Voilà. Donc le ventilateur, il se met en route. Donc c'est la Stormtrooper, initializing. Donc l'écran récapitulatif, donc caméra A, on a les niveaux sonores, on a la gestion de l'exposition, et donc projet, média, moniteur, lecture, alors vous avez vu, c'est en français, FPS, ISO, obturateur et balance des blancs. Donc là, on voit qu'on est en MQ, donc en fait, il suffit d'aller donc dans projet, format 8K, 16/9, et on va descendre. Hop, et on peut aller donc jusqu'à 120. C'est quand même ouf. Et donc là, on sera en LQ. Si on passe maintenant en 25, HQ. 8K, 16/9. Et donc, effectivement, on a bien, ça recouvre bien tout le capteur. Donc, on va mettre le Ultra Prime, du coup. Voilà, et donc là, bah, effectivement, ça vignette. Et ça vignette à mort. Voilà, donc on va aller regarder jusqu'à quand, jusqu'à où ça peut aller. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est comme la Komodo, on a une application et on peut gérer toute la caméra via le téléphone. Et franchement, ça, c'est super pratique. On va le faire tout de suite, je vais enregistrer l'écran. Et en fait, on va aller dans le menu de Wi-Fi, chercher le nom de la caméra. Donc la 241 VRPS, V-Raptor, V-Raptor Storm, il y avait manqué un T. Voilà, donc là, je suis dedans, maintenant Red Control, voilà, Red Control. Donc là, je scanne, j'ai la V-Raptor. Super. Et j'ai l'image. Parfait. Donc, voilà. Et donc là, en fait, on voit que... Alors, je vais me mettre comme ça. Et donc là, en fait, on va aller dans le projet. Donc là, 8K. Et on va se mettre, du coup... Alors là, vous voyez, vous allez voir, je fais défiler tous les types de formats. C'est un truc de malade. On va se mettre directement en 6K. 6K des 7/9 pour voir si ça passe. Hop. Et ben voilà. Super. Ça reste super beau. Surtout l'Ultra Prime, il est tellement doux. 6K Super 35, ça couvre. Donc c'est génial. Maintenant, à voir au niveau du bruit, comment ça passe. Waouh. Ok. Donc voilà, donc Ultra Prime version donc épaule. Et là, donc je me suis fait une petite série FD. J'avais un vieux AE1 qui datait de mes études de cinéma. J'ai récupéré le 50 mm. Qui est là, et j'ai acheté un 20, un 35 et un 100 d'occasion. J'ai acheté un adaptateur RF vers FD qui se trouve sous cette forme là, et franchement il est top parce qu'en fait RF vers FD, il a un ND, un vari ND au centre, donc c'est vraiment top parce que comme ça on peut gérer le filtrage directement sur la monture, donc c'est quand même ouf. Voilà, donc hop, et RF, donc là je suis en FD. Et donc j'ai choisi la marque Precisius qui sont dans le sud de la France et qui font donc tout ce qui est adaptation pour le cinéma. Donc en fait des bacs crantés et aussi des capuchons et des ciné rings pour pouvoir avoir des bouchons tous de la même taille pour chaque optique. Bon, j'ai choisi en 80 pour que ce soit plus compact. Voilà, donc c'est assez sympa. Plus bah, le plaisir d'avoir son logo avec le récap sur le cap. Donc hop, et voilà. Et donc le 50. Je enlève le ND, voilà, 1.4 d'ouverture quand même, et voilà. Et alors là, on a quand même un piqué, et regardez ça, comment c'est magnifique. Le bokeh que ça a sur le VistaVision 8K, c'est un truc de malade. C'est magnifique. Le 35 à F2, il est ouf aussi. Lui, je pense qu'il est un petit peu smoky. En fait, il est un peu laiteux, mais c'est pas grave. Ça participe en fait à l'image. Regardez ça. C'est pas trop ouf. Il y a moyen de faire vraiment des images typées vintage. Donc c'est vraiment pour ça. Ça peut faire des délires. Je vais mettre le 20 aussi. Est-ce que vous connaissez Opolar? Un sèche-cheveux portatif pour enlever les poussières. Hop là! Le 20, il a quelque chose de plus, mais alors je sais pas si vous avez déjà joué à The Last of Us. Il y a un espèce de grain quand il y a les hautes lumières. On arrive à retrouver ce grain-là avec cette optique. Hop, ça c'est un Mark II, donc il n'y a pas de vis. Le repère. Et donc là, c'est le 20 mm. Et donc il a ce côté un peu...
Voilà, dans la pleine lumière, vous voyez là les petites gouttes, les petits trucs là. Voilà, ça, c'est ça que ça donne en fait. Voilà, donc du vintage, c'est cool. Par contre, le 100 mm, lui, il a rien à voir. Il est très très beau, il est très propre. Donc voilà la série vintage. J'ai hâte de faire un petit film avec pour montrer. Nous allons mettre donc la caméra sur le Ronice. Donc on va utiliser le 24 mm. Hop, on serre là. Là, on a ce qu'on va mettre sur le Ronin. On voit bien que là, on est lourd déjà et qu'on a la batterie derrière qui va pas aller. Donc il faudrait le câble que je n'ai pas mais que j'ai commandé. Mais en attendant, là, je peux utiliser ma superbe plaque faite maison en carbone qui est là. Donc en fait, il s'agit tout simplement une Veloc. C'est-à-dire qu'en fait, je mets dans le Veloc et j'alimente comme je veux. Donc là, en fait, on va mettre ça derrière. Voilà, on insère dans les broches. Et voilà. Et donc là, c'est alimenté par là. Et donc là, c'est un Lemo de pin que je vais pouvoir mettre sur la plaque Tilta du Ronin S2. Donc, on va mettre la V-Raptor sur le Ronin S2. C'est un beau bébé, hein, donc je rappelle, elle fait 1,8 kg. Donc, ce qui est assez gros avec la monture plus l'objectif, on est à quasiment 3,2 kg. Ce qui est quand même assez énorme. Donc, 3,2 kg, ça va pas faire craindre le RS2. Donc on le met dessus, j'ai mis la plaque, hop, hop, on serre, et donc on voit qu'il y a quand même un sacré déséquilibre, donc je rajoute, à cause de cette petite antenne qui doit faire 10 grammes, je rajoute 500 grammes, non mais sérieux, donc voilà, les 500 grammes, au cul, ça passe, donc on rajoute la batterie. Hop, là on est bon. Pour alimenter la caméra, donc soit un détape vers la caméra, mais détape ça peut s'enlever facilement. Donc je conseille de passer par le Lemo qui est une prise qui se bloque. Donc Lemo 2 vers Lemo 6 pin. En attendant de recevoir le câble, on est pressé de sortir cette vidéo. Je prends ma petite plaque en carbone faite maison. C'est assez pratique d'ailleurs, parce qu'on peut alimenter n'importe quelle source Veloc en Lemo. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de débranchement intempestif qui est ce que la caméra n'aimerait pas du tout. Et vu le prix de la caméra, on n'aimerait pas qu'elle s'éteigne sans la shutdowner. Elle est alimentée la caméra, donc je peux même l'allumer. Alors j'allume le Ronin. Il y a plein de commentaires sur des trucs assez intéressants, d'accord. Ok. Hop, donc ça passe vraiment dans un mouchoir de poche. Donc je mets mes deux poignées. Là, une deuxième poignée avec le son HD 5 pouces, il est vraiment bien, il est léger, pratique. Et vu qu'il n'y a pas de sortie HDMI sur cette caméra, et ben on passe en SDI. Voilà, et voilà. Et on va lui mettre un moteur. Mais bon, il faut quand même pouvoir contrôler la mise au point. Donc on engraine, voilà. Le Ronin, il ne dit rien, c'est bon, c'est vert. Donc je peux allumer la caméra. J'allume le son HD, je prie pour pas griller la prise SDI. Et voilà, j'ai la mise au point. Et voilà, top. Maintenant qu'on a vu à quoi ressemblait la V-Raptor, bah peut-être que vous voulez voir des images. Et bah j'en ai. J'ai quelques samples en 8K à 75 fps sur le Ronin S2 avec un 24-70 RF. Et on a eu la chance de pouvoir tourner, de l'utiliser sur un petit tournage sur Paris avec une modèle Miss Provence. Place aux images, ralenti dans Paris, c'est magnifique. A tout de suite. Donc voilà, donc après une journée de tournage avec, je suis déjà subjugué par la qualité de l'image. C'est vraiment un truc de ouf, les 17 diaphs de latitude sont là. À un moment, on était sur la place du Louvre, un rayon de soleil arrivait, donc j'ai dû fermer un peu le Vari ND. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je l'ouvrais, et plus... Et, enfin,
comment dire, en fait j'ai eu du mal à arriver jusqu'à ce que ça clippe en fait. C'est-à-dire que les hautes lumières, la différence entre les ombres sur la place et les hautes lumières, elles étaient toutes là, toute l'information était là. C'est magnifique, donc franchement je suis bluffé. À côté la Komodo, bah, ça reste une très bonne caméra, hein, mais franchement on est séduit tout de suite par le grand format, par la vitesse et par la latitude. Donc franchement, bienvenue à la V-Raptor dans la famille, parce que franchement ça va être deux caméras complémentaires. Cette caméra là c'est enfin notre vraie caméra cinéma. J'ai hâte de faire des gros projets avec, donc pour vous montrer d'autres images. J'espère que vous aussi ça vous a plu de voir cette caméra presque en avant-première, hein, parce qu'elle est la Stormtrooper. Il va falloir que je fasse des tests de basse lumière, voir comment elle réagit face à la Gemini, parce que la Gemini est quand même redoutable. Donc peut-être DSM-C3 avec du dual ISO bientôt. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bien sûr, un petit abonnement fait toujours plaisir et un pouce bleu aussi. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à faire connaître cette magnifique caméra et surtout notre entreprise. C'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite, c'était Alex, salut.